Et merde. Bon, eh bien, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui me regardent, et bienvenue pour mon premier let's play sur Monster Hunter Portable CERN. Donc, si vous me regardez, si vous devez savoir ce que c'est quand même que cette série, quand même, hein, faut pas déconner. Mais si vous savez pas, bah, je vais vous l'expliquer. Monster Hunter, qui est une série éditée et développée par Capcom. Voilà. Sortie sur plusieurs consoles. Voilà. Hein. Le premier épisode qui était sorti sur PS2 en 2004. Et donc, cet épisode-là, c'est c'est pas le troisième, non. Hein. Comparé à ce que pourrait vouloir dire son titre, mais c'est pas le troisième. Et il est sorti sur PSP, celui-là. Bon, par contre, je ne joue pas sur PSP. je joue sur émulateur, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, et je vais vous expliquer tout ça après. Donc, le principe de Monster Hunter, c'est quoi? C'est... au début, on est une petite fiotte, une petite merde, voilà, qui a un petit couteau de cuisine. Et un pauvre couvercle en métal forgé tout pourri comme arme. Et on est à poil évidemment parce que c'est pas drôle. Voilà. Et le but c'est d'aller se friter des petites bestioles de merde. On se rend compte que c'est rigolo. Et puis on se dit merde, on va pas laisser pourrir la carcasse comme ça quoi. Alors on le dépaisse et puis on se fait une arme avec. Ou une armure. Et puis après tu te rends compte qu'avec ça tu peux taper des monstres plus forts, etc. Et voilà, ça s'enchaîne, et puis au bout d'un moment, on finit par croiser des monstres, comme vous allez voir dans la vidéo, juste là. Qui n'a rien à voir avec le monstre qu'on a vu au début, quand même. Voilà. Uljinuka. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire, justement? Qu'est-ce que je peux bien lire? Donc... Celui-là, c'est un épisode de la troisième génération. Aujourd'hui, on est à au MH4 Ultimate. Et là. Mais moi, je préfère la troisième génération parce que je suis un grand nostalgique et vu que mon premier, c'était le 3. Le 3 sur Wii. Bon. Bah, on va faire une nouvelle partie, alors. Create a new character. Hop. Bon, alors c'est parti. Bon, pour ceux qui veulent y jouer, hein, je vous ferai une petite vidéo si vous voulez pour savoir comment on fait pour y jouer sur émulateur. Et donc les avantages au fait que puisse jouer sur cet émulateur, c'est qu'on peut jouer en ligne. Attention, oh my god, oh là là, on peut jouer en ligne à un épisode PSP. Donc oui, à la base, hein, une sortie qu'au Japon. Moi je l'ai en HD en japonais sur mon PC et je peux jouer en ligne donc voilà. Et c'est pas en ligne comme utiliser Kadok Party, c'est vraiment pourri, on trouve jamais personne. Non, là j'utilise un truc qui s'appelle Evolve et c'est super pratique. En 2 minutes top chrono, on trouve des joueurs, c'est génial. Ah, et comme on est environ une trentaine à chaque fois connecté en même temps, t'as un chat général, bref, je vous expliquerai tout ça après. Donc. C'est que je suis un mal, est-ce que je fais un mal? Bof, ouais, mais vas-y, je fais un mal. Parce que mon autre perso, c'est déjà une femelle. Alors. Ouais, face. Alors, ça, c'est quoi ça? Merde, c'est pas ça. Type 1. Ah oui, ok. De toute façon, ça sert strictement à rien. Bon, on va prendre ça. Hein. Hop. J'aime bien celui-là. Les hairs. Alors vas-y, montre-moi ce que t'as. Putain, c'est vrai que c'est moche. Hein. Oh là là.
Oh là là. Bon, attends. On va se faire une coupe à... À la mode PGM, tu vois. Toi-même, tu sais. Ça, c'est quoi? C'est les cheveux aussi? Ah ouais. Et ben voilà. Hop, on va faire ça. Hop, face. Attends, c'est quoi là, hein? Bah là, désolé, je peux pas faire. Là non plus. Bien. Yeah. Ouais, trop vieux. Trop énervé, trop cool. Trop chinois. J'ai rien contre les chinois, hein. Je vous aime, les chinois. Du monde. Voilà. Oh là là, mais lui, comment il a l'air blasé, lui. Attends, je fais un petit tour. Putain. Il n'y en a pas un bien. Bon, le 1, voilà. Le skin. On va te faire un petit peu bronzer, quand même. Oh putain, si déjà là, c'est bronzé, mon gars. La voice. Merde. La voice. Oh, merde. Ouais, je joue pas avec une manette, hein. Je joue avec mon clavier. Hein. J'ai mis les boutons, c'est bon, moi je me suis habitué. Ouais, on va peut-être lui faire un corps qui va avec, hein. C'est la tête qui va pas. What the fuck, non. Lol. Eh, vas-y, on va essayer avec ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vite, cassons-nous. Oh putain. Oh. Allez, on va faire ça, c'est drôle. Et le name, évidemment. Putain, on allait oublier le name. Mais non. Oui, c'est vrai qu'en plus, vu que c'est les touches japonaises, c'est les touches inversées par rapport à la PSP, donc il va falloir que je me réhabitue. C'est... Merde. Putain, comment on fait supprimer déjà? Ah, trouver. Easy. Yukulele. Est-ce que c'est moi, toi-même, tu sais? Voilà. Voilà. Merde, j'ai pas écrit ukulele. Je suis trop nul. Non, Léo, non, Yuku, non, tu chies. Tu chies tout, ton... Voilà. C'est bon. Allez. Eh ben, c'est parti, il faudrait peut-être commencer un peu, parce que là... Start with the tutorial now, parce que je suis un grand malade. Save this character, yes. Ici, oui, j'ai pas envie de supprimer mon personnage. Oui. Let's go. C'est parti. Petite intro sympatoque. On est dans la forêt. On avance. On s'arrête et on avance, voilà. Parce que nous, on est intelligents. Moi, personnellement, je laisserai pas mon chat conduire, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oh merde, alors il pleut. Ah zut. Heureusement que j'ai un chapeau. Hein. Ah là, par contre, c'est moins drôle. Ah non, là par contre c'est moins drôle. Oh putain, merde. Mais casse-toi! Putain, ça y est, mon poulet est déjà rôti. La main.
Maman! Oh! C'était Tandax. Ah mais il fait beau. Je trouve le jeu vachement pixelisé. Il va peut-être falloir que je refasse toutes les paramètres, c'est génial. Le village. Il est trop beau celui-là quand même. Il est putain de beau. Oui, je sais pas ce qui se passe. Là, il est en mode gros pixel là. Putain, je sais même pas ça fait combien de temps que je joue. Ok, ça fait 11 minutes. Ah bah non, ça va. Il y a moins de pixels dans le jeu que dans les cinématiques. Normal. 11 minutes 55. Ok, je m'arrête à temps. Oh maître, j'ai un nouveau message. Le chef du village est en train de vous attendre dehors. Nia, elle veut vous parler d'un truc. Est-ce que vous pouvez vous dépêcher de sortir et la rencontrer dès pour vous lever et appuyer sur carré. Allez, c'est bon. Bon, alors au niveau de mes touches, moi j'utilise ZQSD pour me déplacer. Le bouton L, c'est A. Voilà. R, c'est espace, c'est pour courir. Triangle, c'est le bouton 5. Carré, c'est 1. Rond, c'est 3. X, c'est 0. Et pour la caméra, c'est les flèches. Voilà. Voilà. Oh, comment je suis trop beau. Allez, on sort. On s'y dépêche, on s'y dépêche. Oh là là, pour l'instant, on a vu que la création des personnages est une cinématique. Putain, va peut-être falloir que... Bon. Voilà. C'est tout beau, hein. Putain, j'ai disparu, là-haut. Ah non, je suis toujours là, j'ai eu peur. Merde, ça fait du bruit, dehors. Ah, la voilà l'auteur. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt joli et ça tourne bien. Ça tourne bien. Allez, c'est parti. Oh, Hunter. Of course. Je m'en fous de ce que tu dis. Oui, parce que dans mon centre, il n'y a pas vraiment d'histoire. Je résume l'histoire du 3. Oh mon dieu, il y a un tremblement de terre. C'est le Lagercus qui a attaqué. Vous butez le Lagercus. Ah bah non, c'était pas lui en fait, c'était un monstre 4 fois plus gros. Vous le butez, vous avez fini. Voilà. Oh mon dieu. Bon là on parle parce que c'est de la merde. Hein. Si je passe et que vous dites, mais moi j'ai envie de voir. Non. On a envie de voir au début mon centre, mais c'est chiant quand tu te rends compte qu'en fait ils font que vous raconter des blagues. Voilà. Et quand il y a le petit bouton jaune, c'est pour vous dire « Ah, au fait, j'ai un truc important à te dire. J'ai mangé une pomme. » Bon, voilà, tu vois, ça strictement rien. Voilà. Ah, je t'explique ce que c'est qu'une arme. Une arme, ça sert à taper. Une armure, ça sert à te défendre. Tu veux une pomme? Voilà, en gros. Ah, mes camarades félines, allez, viens, toi. Bah oui, j'ai pas de féline encore. J'en avais un qui m'a conduit, mais à part ça, il s'est cassé. Hein, depuis. Bon, bah je vais à l'entraînement parce que c'est ce que m'a dit la chef du village en fait. Beginner. Hunter. Voilà, fini. Bon, alors moi par contre, je suis pas. Enfin, je suis un amateur de. Surtout. Deux armes, ou trois même. Le katanoob, hein. Donc le katana quoi. Qu'on appelait le katanoob, je me rappelle. voilà. Donc, allez, Dual Blade aussi, mais j'ai jamais joué sur émulateur. L'AGS surtout. Et la Gunlance. Voilà.
Donc je vais surtout me prendre une Magellan's parce que j'ai kiff cette arme. Et il était pas d'entry. Et il était dans Freedom Unite que j'avais joué, mais elle avait pas du tout les mêmes coups que dans celui-là. Putain, qui sont géniaux ces coups. Bref, 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 bref. Maintenant. Oh bah lui, il faut lui parler aussi. Oh, salut, salut, je t'explique comment ça fonctionne une ferme. Quand tu vois des herbes par terre, ça veut dire que tu peux les ramasser. Oh putain. Bon, je vais arrêter de chanter hein, parce que. Putain, c'est chiant. Allez, on accélère. Voilà, c'est ça qui est bien sur l'émulateur. On peut accélérer. Bon, allez, c'est bon, je remets en normal parce que sinon on va gerber. Oh, bonjour, bienvenue dans la ferme du Kumo. Est-ce que je peux déjà ramasser? Mais Féline aussi, c'est vrai. Une note à Féline. Putain, mais pète pas les couilles, je vais engager des félines. Putain, je peux déjà farm, lol, j'ai pas fait une quête, je peux déjà farm. Ah. Bon, bah c'est parti. Hop. Bon, je pense que les. Oh putain, je peux faire 4 fois. Génial. Tout ce qui est farm, je pense que je le ferai en dehors. Ah oui, puis aussi au niveau des vidéos que je vais faire. Enfin, peut-être que j'explique. Je fais ça surtout pour déconner. Hein. J'ai vraiment pas l'intention de faire ça forcément au sérieux. Donc des fois je sortirai peut-être 2 vidéos par jour, des fois j'en sortirai une par mois. Ce sera surprise, surprise. D'où la nécessité de vous abonner, les enfants. Mais je peux pas ramasser. Et j'ai pas d'herbe, donc ça sert à rien. Voilà, tout ce que je peux faire c'est miner. Voilà. Je vais déposer ça dans la bebouette. La bebouette. Put in. Et vu que je suis sur ordi portable, bah, je risque de faire du bruit avec le clavier. Mais ça, c'est pas mon problème, j'allais dire. Peut-être un petit peu, mais bon. Ça doit pas faire tant de bruit que ça. Bon, la vieille, t'as rien à me dire. Allez, préparez une caisse. Ah bah voilà. En fait, je pouvais le faire dès le début, mais c'est pas grave. Allez, on va commencer par. Vu qu'il me reste pas forcément beaucoup de temps, on va commencer par taper les gens. Et autant que ce soit utile. Voilà. Donc on va se faire d'abord l'armure. Oh merde, toi je t'ai pas parlé. Tiens, je te parle. Voilà. Non. Voilà. On va se faire l'armure Jaggi, parce que l'armure Jaggi, les petits Jaggi, bah c'est vachement pratique au début. Et voilà. Bienvenue dans les pics des midi. Hein. Non, que dalle. Je me rappelle jamais du nom de cette zone. Mais elle est quand même vachement fucking motherfucker, putain de belle. Très réussi. Surtout la nuit, ça de la gueule. Bon bah let's go. Hop. Ok. Merde. Hop. Toqué, toqué, lalali. On prend les petites rations, oui, donc là j'explique le principe un petit peu. Mon center, voilà, donc ça se divise en plusieurs zones, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Notre barre de vie, c'est la petite barre verte. Notre barre d'endurance, vous voyez, là je marche, là je cours. Hein, ça se voit pas trop la différence, mais c'est comme ça. Enfin, pour vous, vous l'avez pas, mais moi je la vois quand même, vu que je suis quand même à quelques centaines d'heures, donc voilà. Voilà. La petite horloge en haut à gauche, c'est le temps. En bas, bah ukulélé, qu'est-ce que c'est? C'est bah, c'est moi. Voilà. La petite lame, c'est le tranchant de mon arme. Donc jaune, ça veut dire que c'est presque le minimum. Voilà. Mais vu qu'on peut pas aller plus haut avec cette arme-là, bah. Voilà. Après, c'est vert, bleu, blanc, violet. Voilà. Et en fonction de qu'on tape, l'arme, elle s'émousse. Ensuite. Les petits, des espèces de petites bites à côté, c'est mes munitions. Voilà. Oh merde, je pourrais pas te lâcher mon méga combo. Easy. Et ça, c'est la principe. Comment on dit? La spécificité de cette arme, c'est que c'est une lance. Voilà. Mais qui peut faire aussi ça. Voilà. Tranquille, on peut tirer avec. Qu'est-ce que je kiffe cette arme, putain de bordel de merde. Bon, alors, faut tuer les Jaggi.
Mais avant, parce qu'il faut le faire absolument au début du jeu, c'est super important. Dès que vous voyez un truc, vous le ramassez. Merde. Voilà, j'ai pris la dernière ration qui me restait, c'est bien mieux, bravo. Voilà, ici, toile d'araignée, ça nous servira à crafter, oui, parce que dans ce jeu, on peut crafter aussi. C'est génial. On peut crafter des pièges, voilà, pour faire tomber les gros monstres dedans. C'est vachement pratique. Surtout quand on est en ligne, vous le verrez. Donc là, j'ai jamais compris ce spot. On peut ramasser, mais il n'y a jamais rien. Voilà, nothing found. Génial. Yeah, on peut pas faire comme dans MH4, on peut pas taper dans les airs et on se ramasse la gueule comme une grosse merde quand on atterrit par terre. Ah. Faut essayer de pas tomber ici. Hein. Oui, parce qu'on peut. Hein. Voilà, je vous l'ai montré, mais. Ah oui, je me suis bien fait mal. Allez. On avance. On doit faire un génocide hein, dans cette quête, je vous le rappelle. Ah, génial, il y en a un là. Viens là. Viens voir Papi Yuku. Allez. Bon, ok. Il a fait le Papi Yuku qui se chie littéralement. Ta gueule. Oh, fils de fanul. Tiens. Bien joué, Léo. Oh merde. Mon méga coup qui a servi à rien. Vite, allons le dépecer. Vite, avant qu'il disparaisse. Oui. Oh. Putain, c'est beau. C'est beau. C'est très beau. Rien à dire. Allez. On avance, on avance. Merde, y'a personne. Je me suis fait brain. On se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste encore 48 minutes. Que la petite horloge qui nous montre justement le temps des quêtes. Voilà. Oh merde, ils sont beaucoup là. On va tuer les gros d'abord vu qu'il faut pas les tuer et que c'est important de les farm. Hop là, vous voyez mon arme là, elle a pas du tranchant, elle est un petit peu brisée. Oh mais laisse-moi. Moi je vais dépecer ton copain, c'est mort. Voilà. Vous voyez la petite barre verte. Et ce qui est rouge, c'est la vie qui remonte avec le temps. Monster Bone S, ah génial. Ok Léo. Ok Yuku. Allez meurs, ça m'a pris. Oh là 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 là. Voilà. Merci de m'avoir fait charger plus vite et de m'avoir fait ranger mon arme aussi accessoirement. Hop. Ekai Jagi. Voilà, tapez-vous entre vous, il n'y a pas de problème, moi je vous dirai. Vite, on l'a dépassé. Oh putain, trop tard. C'est pas toi que je vais taper, ils vont rien dire. Ah merde, ouais, il me fait tout décaler. Et oui, j'ai un bouclier, ça peut servir aussi. Oh merde, j'ai pas rechargé. Ah, ça c'est parce que mon arme elle a plus de tranchant. Bon alors, laissez-moi recharger. Enfin, aiguisé. Non, non, oui. Ah putain, ce que vous êtes con, c'est génial. Allez, c'est le dernier là. D'abord, dépêche-toi là. Parce qu'il faut savoir que ce jeu est quand même sur PSP hein, à la base. Hein. Non mais reviens! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Boum! Voilà! Et voilà, fin de la quête. Et là-bas on va se dépêcher parce qu'il y a du miel. Très important le miel. Oh, du miel royal, attention. Donc le miel royal qui sera, vu que c'est pas un objet qu'on utilisera, il sera converti en points pour la ferme, pour la rénover, pour être plus efficace au niveau des récoltes, tout ça, tout ça. Ah oui, tout est une histoire de crafting dans ce jeu, c'est vraiment, si vous n'aimez pas le craft, faut vraiment, vraiment pas y jouer.
Oh oui, du Yukumo Brood. Alors là, il m'en faut. Première fois que je vois un match où on dépèse du bot. C'est important pour améliorer mon arme du début. Je me rappelle, je savais pas où me trouver du coup, oui. Et quand j'ai vu qu'en fait c'était juste en fait dépecer du bois, je fais what? Ils ont un petit peu fumé, je pense, dans cet épisode. Ça va pas le faire. Ouais, bon, ok. Bon, mes petits amis, je vais rentrer tranquille au village. Sur ce, je vous dis bisous bisous, c'était du coup pour vous servir. Je vous fais des petits des poutous partout. Des bisous sur le bout. Voilà tout ce que vous voulez. C'était du coup. Allez, bye bye.